Fulgores. Fulgores. Estallidos activados en zonas ocultas. Estallidos. Nada de intentar encontrarlos en un cielo azul. Cielo azul. Ni siquiera combinados con rojos. Rojos. O púrpuras de ciertos púrpura. Atardeceres. Solamente en sótanos. En espacios donde el aire es oscuro y tan espeso que transmite las ondas de los crujidos. Ondas de los crujidos. Las pisadas de los borsejés, de los grandes zapatos que golpean contra el piso superior, sobre las cabezas aquí, sobre las cabezas allá, las cabezas y los extremos de los dedos que echan luz. Tantos dedos y cabezas en movimientos desparejos, apenas perceptibles, intercambian fulgores. Fulgores. Fabrican desde sus lóbulos y sus circunvoluciones cerebrales y dejan salir a través de su cuero cabelludo y de sus uñas una forma de claridad que las va iluminando. Y las retroalimenta en el silencio. Por lo menos 30 cabezas. Y todas sin desórdenes genéticos. 600 dedos. 300 de manos. 300 de pies. Todos los formatos de las cabezas, sus pelos, responden a características femeninas. O sea, 30 mujeres vibrando, comunicándose, debatiéndose en una estrechez de espacio intransgredible como glóbulos a lo largo de un vaso sanguíneo. Fulgurons, fulgores, éclats, estallidos, activés dans des zones occultes. Inutile de chercher à les trouver dans un ciel bleu. Cielo azul. Pas même combinés avec des rouges. Rojo. Ou des pourpres de certains crépuscules, uniquement dans des sous-sols, sotalo, dans des espaces où l'air est obscur et si épais qu'il transmet les ondes des craquements, ondas de crujimiento, les pas des brodequins, des grosses chaussures qui frappent le sol à l'étage, au-dessus des têtes, ici, sobre las cabezas, au-dessus des têtes là-bas. Les têtes et les extrémités des doigts qui font de la lumière. Tant de doigts et de têtes en mouvement dépareillé, quasiment imperceptible, échangent des fulgurances. Ils fabriquent depuis leur lobe et circonvolution cérébrale et laissent s'échapper à travers leur cuir chevelu et leurs ongles une forme de clarté qui les illumine et les rétroalimente dans le silence. Au moins 30 têtes, et toutes sans dérèglement génétique. 600 doigts, 300 de mains et 300 de pieds. Les gabarits de toutes les têtes, leurs cheveux, répondent à des caractéristiques féminines. Autrement dit, 30 femmes, vibrant et échangeant entre elles, se débattant dans l'étroitesse d'un espace intransgressif, exprimé davantage que ce que les expressions des autres autorisent. Il y a des meufs. Il y a des fulgurances. Ce sont les regards qui se croisent dans l'espace. Fulgores. Se frottent dans l'air, produisent de la lumière. Les pupilles se dilatent. Elles peuvent se voir les unes les autres. Elles se voient, essayant de bouger, de se regarder. Le mouvement les fait rire. Aux fulgurances s'ajoutent des sons. Carcajadas. Fulgores. Limites. Il y a des surfaces rugueuses. Cementos. Le ciment. Cementos. Le ciment de la cellule du fond. Parfait pour limer l'os. Râper et râper. Raspar y raspar. La poussière blanche qui Polvo se blanco. Dépose, se volatilise, croit disparaître, mais par où? Par où? Le morceau entier
que la main soutient et frotte encore et frotte, enflammée et chaude, se transforme jusqu'à n'être qu'un anneau, un pendentif, un porte-clés, une aiguille et de la salive, l'acide de la salive, au bec de l'infime oiseau essayant de prendre son envol, aux mains entrecroisées qui, jointes, ne mesurent pas un demi-centimètre. Medio centimètre. Pour ciment de la cellule ou la peau, Yelling. La peau telle qu'elle devient dans les sous-sols. Sotano. Le bruit du métal. La grille frappant le mur humide. La gardienne fichant tous ses angles, son nez et ses dents à l'entrée du pavillon pour lâcher le hurlement. Elle retrousse seulement le côté gauche de sa lèvre supérieure et baisse les paupières. Elle se tourne et marche vers la geôle. Hueso. L'os à la main, elle râpe et râpe. La peau de ses doigts peu à peu se détache, mélangée à la poussière blanche qui emplit l'air. Volvo blanco. Les peaux. L'épiderme et tous ses orifices. Pour qu'y entre quoi? Pour que n'y entre pas quoi? 30 pieles, 30 texturas. 30 peaux. 30 textures. Et de nombreux orifices sortent des poils. Tant de poils partout. Et une seule pince à épiler. Et une seule pince à épiler que l'on conserve avec les autres trésors. La radio à transistor. La radio à transistor. La montre bracelet. Les trois pots de stylo à billes. Et les deux aiguilles à coudre. Sous le carreau décollé de la salle de bain. Le soulever et creuser le béton leur a pris un mois de travail. Il y a des éclats de lumière. Ce ne sont pas les aiguilles qui se trouvent sous les carreaux. Ce sont quelques mots qui courent entre bouche et oreille. Quelques mots qui courent entre bouche et oreille. 60 oreilles, 30 bouches qui vont de l'une à l'autre. Des sons qui disent « Susanna, tu fais moins de bruit !» Des éclats qui peuvent être des mots ou l'énergie d'un cafard sur son trajet vers une caverne. Ou le bruit de la respiration de Maura, qui est tellement robuste malgré toutes ses années et sa mauvaise humeur. Ses chairs fermes, tendues, ses cheveux épais, raides, ses iris grands, tendus. Ses cendriers, des assiettes faites de riz blanc pétri, de ce riz qu'on leur a distribué en guise de déjeuner il y a trois mois environ, et quand on leur donnait encore un petit peu de nourriture, et blanc, sec, accumulé sous son lit. Des éclats qui peuvent être l'énergie d'un cafard essayant de rejoindre sa caverne, ou le bruit de la respiration de Maura. Maura respire. Et Griselda respire en essayant de concentrer dans un point de l'espace, de l'obscurité de l'espace, toutes les formes d'imagination et de mémoire qui lui permettent de reconstruire les pages de Gran Desertao, Veredas. Les épisodes, les métaphores, elles ont toutes tant besoin de métaphores. Pour la réunion de demain à 2h. À las dos. Demain, c'est au tour de Griselda de reconstruire un roman lu en liberté pour les autres. Du papier à cigarette. Cinco horas. D'une écriture millimétrique, en utilisant l'un des pots de stylo-bille du trésor. Et il y en a 20, destinés à l'anti-during. Travail de Dora. Il reste de moins en moins de feuilles, mais la bibliothèque s'étoffe. Et Liliana, spécialiste maintenant, à force, fabriquera le tampon vaginal. Imperméable, enveloppé de plusieurs couches de polyéthylène, de quelques sacs entrés là à l'époque où il était encore possible de leur déposer quelques nourritures, scellés à la braise de cigarettes et introduits, avec ou sans règles. Jusqu'à présent, elles sont parvenues que lors des fouilles, ils y mettent les doigts. Tout ce qui a pu être conservé via le vagin a pu être sauvé. Bibliothèque. Et la bibliothèque est indispensable. Elle contient leurs pensées, leur patrimoine intellectuel, l'apprentissage des unes aux autres, l'échange, la justification de résister. Bibliothèque. La bibliothèque confirme l'existence de toutes, de chacune. Elle est tellement robuste, Maura, du haut de ses 65 ans,
est tellement dure. Fulgores. Fulgurans. Estallido. Il y a certains éclats, ceux de 28, des 37. Il faut veiller au repos du plus grand nombre. Il faut essayer de déceler les mouvements à l'étage supérieur. Des gens entrent, des gens sortent, des sons émergent, des cris de douleur, carcajadas, de la musique, des insultes. Il faut essayer de savoir avec un peu d'avance ce que ceux qui marchent en haut peuvent décider à propos de leur corps. Il faut surveiller ceux qui les surveillent. Ensuite, long, le silence. Bertha et Monica dans le coin des sentinelles, attendant. Et rien. Rien à interpréter. 40 minutes. Durant les dernières 40 minutes, rien qu'il soit nécessaire de déchiffrer pour les autres. Et maintenant, un crissement. Un crujido. Un grincement métallique. Un dos cabezas. Leurs deux têtes féminines se tournent en recherche. Et c'est à l'intérieur. C'est Béatrice qui fait bouger les élastiques du maillage de métal dans un effort pour s'extraire du puits qu'est sa couchette supérieure. Et elle saute. Béatrice qui va uriner de ses petits pas lents pour ne pas provoquer une réaction des policiers qui les mettent en joue de là-haut, du dehors, du canon de leurs fusils à travers les barreaux des soupiraux du sous-sol. Elle entr'ouvre la porte, entre dans la salle d'eau. Reviens vite. Elle agite une main pour Monica et Bertha qui agitent une main pour elle. Rien de neuf. Elle appuie son pied sur le bord de la couchette inférieure. Sans le vouloir, elle réveille Sylvia. Elle saute et s'enfonce dans le puits de métal tissé. Elle marche lentement et à grands pas, marchant sur les orteils plus que sur les talons. Elle entr'ouvre la porte de la salle d'eau, ressort très vite. Elle braque Bertha et Monica de ses yeux bien ouverts. Elle nie de la tête. Elle rejoint sa couchette, s'appuie au bord, entre et se couvre. Elle secoue un peu Béatrice. Où la joie? Alegría. Où la joie? Alegría. Reflejo. Un reflet, comme de lumière, de miroir, qui passe à une vitesse surhumaine, qui traverse tout droit les espaces qui restent encore entre les unes et les autres, les distances qu'il trouve entre des sons, des mots et d'autres, entre un geste et l'expression qui le complète. Leurs propres cils protégeant leurs yeux, leurs propres dents passées. Leurs propres paupières et fronts circulaient à des vitesses non répertoriées. Mais elles n'attendent rien. Alegría. La joie fait partie de ce qui va venir. Elle doit être là. Il doit y en avoir. L'étire et l'accroche au rebord des couchettes en le coinçant entre le matelas et le métal. Ce sera le rideau. Le spectacle commence. Et Cléopâtre laissant voir la moitié de son corps et roulant dans des serviettes qui tiennent lieu de tapis, surgissant de cet amas et allongeant son corps sur le sol de dalles noires et ébréchées, couverte d'une chemise de nuit. Sûrement celle de Maura, vu la taille. Haussant les sourcils et fronçant les lèvres, Cléopâtre, lançant des regards certainement très semblables à ceux que la pharaone lançait, arrogante, sur ses sujets. Et Jules César, enveloppé dans un autre drap, faisant irruption et appelant d'une voix forte, Cléo, Cléo, la lumière de tes yeux violets. Et dans le public, celle aux yeux violets, c'est Liz Taylor, imbécile. Dans les mains vers son peuple, voici mon peuple. Le peuple pour lequel je lutte, celui
qui le justifie. Et Cléopâtre ne parvient pas à contenir les rires arrachés aux larmes qui se coincent dans sa gorge. Et le public depuis les couchettes. Vas-y, vas-y Cléo, choisis Marcounet. Mais le tapis, c'était une attention pour Jules, et celui-là s'est fourré ici sans invitation. Et la grille métallique du pavillon qui s'ouvre soudain. Disant, reculant et sortant. Chargeant, brandissant leur trophée, leur étendard. Quittant la scène. Et le bruit du cadenas. Les mains qui le tendent, construisant à nouveau la scène. Le mur, et l'humidité du mur. Les câbles électriques, le traversant qui sait depuis combien d'années trituré. Transmettant le courant jusqu'aux épaules qui s'y appuient. Les têtes. Les têtes illuminant de leurs yeux le mur qui se déplace cherchant l'origine de chaque mouvement, du son. C'est Flore. Flore qui se gratte. Flore qui irrite le psoriasis de ses jambes, de ses ongles courts, bourrés de peau volatile, blanche. Ne te gratte pas ! La voix aiguë, tu arraches des morceaux ! Véronica explore les mouvements de la main de Flore, répète d'un ton professionnel. Frotte-toi avec la paume ou mets de l'eau. Flore se retourne avec des pommettes indifférentes et obéit. Elle se frotte avec la paume. Elle marche lentement jusqu'à la salle de bain et s'asperge d'eau. Trois délinquants subversifs ont été abattus par les forces combinées de l'armée et de la police dans une opération régulière menée hier à l'aube. Quand les forces de l'ordre ont tenté de maîtriser les occupants du logement situé au 126 de la rue Uriarte, ils ont résisté. Parmi eux, une jeune femme enceinte de plusieurs mois, provoquant une fusillade dans laquelle les trois terroristes ont été abattus, originaires de Los Ralos, province de Buenos Aires. Claudia, en charge de maintenir informées les 30 têtes. Elle secoue les bras et la frange raide et noire qui danse sur ses sourcils italiens en angle. De derrière la couchette de Maura, cachée par l'amas de cendriers de riz et la pile d'éléments mystérieux que la vieille thésaurise, Claudia transmet ce qu'elle transpire et ce qu'elle entend. Par les pores de son cou et de ses paumes, elle laisse s'échapper un liquide qui est presque de l'urine. Ils disent qu'ils ont résisté. D'une bouche sort. Marisa n'avait pas d'armes, il n'en a jamais eu. Et l'épaisseur. L'épaisseur de l'air se solidifie, immobilisant les bras et les têtes pour un moment. Attention, cachez la radio, le repas arrive. Bertha, tournant son visage en arrière et captant des bruits métalliques de marmite et de louche comme un radar. De clés et de pieds contre les sols carrelés. La gardienne! Œil droit chaque quart de minute. Et l'autre, pâle aux yeux cernés, aux cheveux noirs et raides, attachés avec une barrette argentée incrustée sur la nuque. Celle aux yeux cernés, avec la grande marmite dans les mains, avec une expression de « prenez ça ». Et Olga, tendant les bras, encore immobile, automatique, Olga chargée de recevoir et de distribuer la nourriture du jour. Elle annonce « Otra vez sopa ». Encore de la soupe. Tandis que les gardiennes ferment les grilles et s'en vont. Et la blonde à boucle d'oreille revient vers la grille, pointe son nez entre les barreaux de fer, colle ses pommettes et précise « Desde hoy sopa sin hueso ». À partir d'aujourd'hui, soupe sans os. Prohibido hacer anillos en los calabozos. Interdit de fabriquer des bagues dans les cellules de ciment. 30 cabezas. Et plusieurs des 30 têtes s'inclinent vers le liquide opaque, l'étudient et décident qu'avant qu'il ne refroidisse, il faut le boire. La longue table de bois fendu et dépourvue de peinture reçoit le bruit des assiettes de métal et l'absorbe, l'étouffe, le rend neutre. Les assiettes de métal reçoivent le son du liquide qui tombe, l'absorbe, l'étouffe, modelant le trajet vertical vers les bouches.
vers les gorges qui permettent le passage de l'histoire, entraînés par les liquides salés, sans origine, originaires de végétaux pâles et desséchés. 30 œsophagos, de l'arrière vers l'avant, pour circuler parmi 30 œsophages tendus en attente. Vers l'arrière et vers l'avant, l'histoire, pour être digérée et transformée en qui sait quoi, en combien de cataractes internes silencieuses, en quelle forme de lac et d'épaisseur, en quelle splendeur de recoin, en quel cœur, en quel ensemble de voix matinales, en quel cri. Thelma finit le liquide et débarrasse la table de son assiette et de sa cuillère. Et les têtes se transportent les unes derrière les autres. Et les assiettes sont transportées par les mains et empilées dans le lavabo de la salle d'eau. Olga lave. Fulgores, fulgurance. Éclat, activé dans des zones occultes par la puissance de la faim. Les corps légers, somnolents, accommodent leurs cellules aux ondulations des lits, les paupières tombant sur tout le visage, sur tout le corps, sur les faits. Il y a des fulgurances. C'est le frottement des molécules qui forment les muscles et les parois de l'estomac. Elles sortent par les nombrils, par les bouches, se rencontrent dans l'air, s'entrechoquent, produisent de la lumière. Elles attirent l'attention des têtes, les paupières se lèvent. Les regards se croisent, se reconnaissent, se parlent. Carla dit: je vous raconte un film. Celle qui veut l'écouter, Butch Cassidy, qu'elle se rapproche. Trenta estómagos. Et 30 estomacs se logent autour du lit de Carla. Sur le sol, penchés sur les couchettes hautes, assis sur les basses. Et s'ouvrent. S'ouvrent pour déglutir les gestes, les regards. Les mots que Carla prononce syllabe par syllabe. Colores. Les couleurs. Sépias. Les sépias. Les chevaux. La bicyclette magique. La musique. Les trains. Marrones. Les marrons du soleil. Les yeux de... transmissibles. Cielo azul. L'agonie figée dans l'éclat d'un ciel bleu. La mort, suspendue dans l'air chaud. Bolivien. Cabeza. Sarah plie avec insistance les doigts de son pied droit, les comprime, les tend, les étire. De l'extrémité opposée, elle les observe, les mesure, les calcule. De sa bouche entrouverte sort « Il va sûrement pleuvoir ». Mes oignons de pied me font mal. Cabezas. Les têtes se lèvent contre l'air obscurci et les barreaux des fenêtres hautes, impossibles. Par l'espace d'une ouverture de 50 cm tout là-haut, elles peuvent se faire une idée du ciel. Elles cherchent à savoir, se mobilisent, appuient leur corps contre les murs, les étirent, glissent, prennent plusieurs angles. Glissent. Elles ne parviennent qu'à un gris qu'on dirait de plomb, qui peut aussi bien être un ciel de tempête qu'un crépuscule filtré par les ombres. La 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 la
Thelma grandissent, se dupliquent, sont leur propre discours. Leur leçon d'anatomie. Les trois groupes s'interpellent. Parlez moins fort, vous empêchez les autres de se concentrer. Oh. Elles se rejoignent dans leur manière de s'exprimer. Chacune d'elles est parfois le miroir de l'autre. Elle rit. C'est pas moi qui crie, Liliana, c'est toi, crie Thelma. Et Elisabeth les regarde, incrédule. Taisez-vous, vous déconcentrez mon groupe. Et les trois leçons avancent en silence. Et le temps avance par à-coup et en silence. Jusqu'à ce que Célia et Andrea, depuis leur poste de surveillance, bougent les bras, les muscles du visage, montrent les dents, désignent les barreaux de la porte. Dispersez-vous, quelqu'un vient. Les membres des trois groupes se déplacent, se séparent, se tendent vers l'ouverture du pavillon. Le bruit du cadenas. Les grilles qui s'ouvrent. Deux gardiennes. T'en fais la volasse. L'une avec toutes les clés dans la main, l'autre avec le grand récipient métallique qui se balance et dégage des vapeurs de je ne sais quoi, mais chaud. Susanna voit celle avec toutes les clés dans la main regarder vers l'endroit où l'on était en train de faire cours, suit son regard, vérifie qu'aucun papier n'est resté sur le lit, des notes. Gloria aussi est en alerte. Elle s'affaire avec les 30 cuillères, les faisant teinter vers la longue table de bois, essayant de distraire la gardienne. Essayons. Señoras, ¿qué hacen? Que faites-vous, mesdames? Aquí no se va curso. Vous savez qu'ici, on ne fait pas cours. No se canta. On ne chante pas. Esto no es la universidad. Ce n'est pas l'université ici. Et on ne se réunit pas en groupe de plus de trois. Así que cuidado. Attention, sort de la bouche ouverte de la gardienne. Il y a très peu de nourriture ici. Il y en a pas assez, crie le gars. Et le bruit du cadenas. Celle aux yeux cernés, aux cheveux noirs, se retourne. Elle précise. Esto es lo que hay para todas. Nous avons l'ordre de vous donner cette quantité. C'est ce qu'on nous apporte pour vous toutes. Et elle sort avec la barrette argentée incrustée sur la nuque. Et la blonde. Y agradezcan que hay algo y que están vivas. Estimez-vous heureuse qu'il y ait quelque chose et d'être encore en vie. Et elle s'éloigne d'un pas de policier. Sylvia, regarde le visage de Claudia. Claudia observe Susanna. Susanna prête attention à Elvira. Elvira cherche Dora et Laetitia. Thelma distribue la polenta. Prend dans une assiette pour en compléter une autre, mesure, calcule et racle le fond de la marmite. Approchez-vous du faisan, princesse, Olga, carcajada. Et quelques rires, des sourires lents se font place autour de la table de bois. Está lloviendo. Il pleut, annonce Sarah, et certaines arrêtent leur cuillère et observent le filet d'eau qui s'infiltre par une brèche entre le grillage et les fenêtres. Les autres mangent. Elle s'observe manger et mange. Olga ramasse les assiettes sur la table. Thelma lave. Encore les cadenas. Les grilles qui s'ouvrent. Deux gardiennes et deux de plus du tour de nuit. Elle crie « Vérification, mesdames !»« Recuento, señoras !» Les têtes se forment une file. Et elle compte. Où est celle qui manque ? Elle recommence à compter. Répondez ! Dit celle aux yeux cernés. Elle s'est enfuie par le toit, s'amuse Sonia à voix basse. Cállese, señor, et répondez-vous ! Et répondez-moi ! Et Thelma apparaît hors de la salle d'eau, les mains pleines de mousse et crie : Un rat dans les poubelles, gardienne ! Et tous les visages rieurs et apeurés. Señora, mesdames, rentrez dans la file et en silence. Están todas sancionadas. Vous êtes toutes punies. Prononce avec les dents une du nouveau tour. Et Sonia, et comment allez-vous nous punir, gardienne, alors que nous n'avons déjà rien à manger? Et elles écoutent les grilles frapper le cadre de métal. Et quelques rires, quelques insultes restent et se mobilisent dans l'air obscur,
tournant en rotation, perdant de l'énergie. Et celle aux yeux cernés revient, s'approche et lâche. Ustedes que son puisque vous êtes si créatives, vous devriez savoir qu'il y a deberían une saber autre que manière différente. Alguna forma diferente. Elles s'y approchent presque toutes d'Estella. Estella est l'attraction. Les mondes de la nuit. Estella qui se prépare sur l'un des lits, fait tourner ses doigts habiles, fabrique des cigarettes, administre le tabac. Il n'y en a presque plus comme elle. Partageons ces six-là entre nous 30. Estella pointe le bout de sa langue, humidifie les papiers, les colle. Moulez-moi, elle se déchire, sort de la tête de Bertha. Estella, tais-toi et fume, il ne reste pas assez de ce privilège. Elles se regardent entre elles et aspirent la fumée jusqu'à l'estomac. Chaque cigarette qui vient d'être roulée passe de bouche en bouche, se termine. Les lumières qui s'éteignent, les têtes, les esprits se préparent au sommeil. Il y a une gardienne qui s'approche. Señoras, basta con las carcajadas a dormir. Mesdames, finis de rire, il est temps de dormir. Et elle reste là, silencieuse, épiant les mouvements. Ada et Julieta effectuent les deux premières heures du tour de garde de la nuit. Elle reste silencieuse, cachée dans un recoin entre le sol et la dernière couchette, là où l'ampoule de sécurité éclaire à peine. Déborah bouge. On l'entend. On peut entendre son matelas, le grincement opaque figé dans l'air, la respiration régulière et creuse, le réarrangement de ses os, le frôlement des cheveux raides et durs contre le tissu rugueux des draps. Ada ouvre ses pores. Elle est attentive à son poste. Déborah tourne tout son corps, émet des bruits par sa bouche entrouverte, revient à sa position première, s'agite, tiraille les couvertures presque avec ses ongles. Elle se couvre la bouche d'une main, se redresse, s'assoit dans l'obscurité comme mue par un ressort le long de son dos, rigide, yeux ouverts, noirs, et elle pousse un cri. Les autres se réveillent, s'assoient, les quiétiles font des boucles, tournoient, se débattent, peuplent tous les trous dans l'air. Déborah répond en perfectionnant son cri, en affinant le son, en polissant les accords. Les corps qui sautent des lits entourent la couchette de Déborah, dégagent des aigreurs de peur par leurs pores, libèrent des bouffées d'affection et de silence. Des pas derrière les barreaux qui s'approchent et grandissent. La gardienne, le nez ouvert. Qu'y a-t-il, mesdames ? Que pasa, señoras ? La voix de la Mécha, s'approchant de l'épaule la plus proche de Déborah. La naissance du cou, de la nuque. Qu'est-ce qui t'arrive, Déborah ? Et Déborah, la gencive rougie, chaude. J'ai mal à cette dent. Et elle presse sa tempe gauche de ses doigts. Elle a mal à une dent, gardienne ! Et la gardienne, que la détenue cesse de crier, qu'elle se taise ! Que se calle ! J'ai besoin d'un dentiste, d'un calmant. Je deviens folle, gardienne. Faites venir l'infirmier. Et la gardienne, changez de ton. Ce n'est pas un hôtel de luxe ici. Et si vous ne vous taisez pas, je n'appelle personne. Et Déborah, j'ai besoin d'un dentiste, d'un calmant. Elle augmente les décibels, fait exploser ses yeux dans leurs orbites. Son visage se mouille, la salive se mêle aux larmes. Je ne supporte plus la douleur, lance-t-elle. Je ne la supporte plus. Et la voix de la gardienne depuis la salle de garde. Je vous ai prévenu, si vous criez, pas de calmant. Si usted grita, no hay calmante. S'en allant, la gardienne,
sortant du champ visuel de Déborah et de toutes les autres. Une voix de plus, deux voix. Gardienne, appelez l'infirmier, s'il vous plaît. Sans réponse. Aidez-vous dans les trous perméables de ces caries. Elles bougent. Elles regagnent leur lit. Elles ne se rendorment pas. Les lumières de la nuit extérieure se mêlent au reflet de la nuit intérieure. Ils s'agitent entre eux, se consument. Déborah ne cesse d'émettre des sons. Les 30 perdues restent ouvertes, battant au rythme des grossièretés de Déborah, jusqu'à ce que le jour vienne. Et arrive l'appel! L'heure de la douche froide et le moment de ce que les gardiennes appellent le petit déjeuner. Et après avoir avalé le liquide verdâtre, les différentes modalités du silence ou du bruit. Andrea tente de se concentrer sur le récit répété et toujours modifié de l'enlèvement de Bertha. Le plus important, c'est l'essence. Parce que les interprétations peuvent être infinies, ce sont des faits complexes, se justifie Bertha en voyant flotter des sourires ironiques. Mais il y a des petits bruits qui l'absorbent, qu'elle reconnaît et qui l'attirent. Et ils se produisent dehors. Andrea oublie Bertha. Ce qu'elle entend est en train de se produire sur le mur du sous-sol qu'elles occupent. Ce sont des coups secs et répétés contre l'allée intérieure qui entoure l'édifice de la préfecture de police. Entre le battant et l'encadrement de la fenêtre. Et elle voit. Elle voit. Mère ! Et les corps se détachent des couchettes, s'allongent. On dirait des chewing-gums s'étirant en bras et coups et yeux désorbités. Avides. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la table. Elles viennent apporter des paquets de quelque chose ! Dis Sylvia ! Andrea glisse et tombe sur le sol. Et deux l'aide d'en haut à récupérer ses 10 cm carrés. Elle se réincorpore au groupe, monte, presse son corps contre le mur, sa gorge contre le bord en bois, ses lèvres rondes contre le grillage, et l'écarte et dit « Maman, à voix basse ». Et les bruits diminuant et les chutes dans le sous-sol, les muscles se raidissent, les tendons immobilisent doigts et mots. « Maman, répète-t-elle, fais un pas en arrière sans qu'il te voie. C'est ça, encore un. Comment va papa ? Ne dis rien. » Ne regarde pas en bas, ils vont se rendre compte. Je t'ai reconnue à tes chaussures. Écoute-moi, retiens ce numéro de téléphone. 252. 977. 977, c'est celui de la famille de Déborah Glowski. Ne les cherche pas ici maintenant, appelle-les après de la maison. Dis-leur de faire pression pour un dentiste. Déborah ne supporte plus la douleur. Maman, achète-toi des chaussures neuves. Celle-ci date du début du siècle. Qu'est-ce que vous apportez? Pourquoi autant de mères sont-elles venues? Ne dis rien. Nous allons bien, mais on ne nous donne pas à manger. Demandez un dentiste pour Déborah. Et les chaussures marron qui s'éloignent d'un pas, deux, trois pas de plus vers l'avant. Les muscles en tension se relâchent. Les pieds nus sur le bois de la planche se déplacent et font du bruit, sautent sur le sol carrelé. Que se passe-t-il? La question tourne de tête en tête, en suspens dans l'air du sous-sol, frappant un front et un autre, rebondissant. Et dispersant les regards, la voix d'Elisabeth, « Andrea, ta maman s'en va. » Et Andrea, « Ciao maman !» Et la voix entrant à travers le grillage et les barreaux, Mataron a Juan Carlos. Ils ont tué Juan Carlos. Et Andrea, quel Juan Carlos? Mon cousin ou ton voisin? Et la mère? Tu primo. Ton cousin. Voy a llamar al padre de Déborah. Je vais appeler le père de Déborah. Decirle que se calme. Dis-lui de se calmer. Et les chaussures ne s'arrêtent pas.
Elles ne cessent pas leur rythme collé aux fenêtres du sous-sol et se perdent. Andrea s'assoit sur la couchette, les doigts de pieds nus contre le sol, les talons en suspens, les genoux ouverts, les coudes plantés dans les cuisses, les mains lui couvrant le visage. Elle dit « Pourquoi, Juan Carlos ?» Et l'on entend des pas. Ils viennent de derrière la grille. Et c'est une autre gardienne, celle de la garde de jour. Tengo orden de no llamar el enfermero si grita. J'ai l'ordre de ne pas appeler l'infirmier si vous criez. Elle regarde, curieuse. Liliana s'approche de la grille et demande « Gardienne, pourquoi y avait-il autant de mères dehors ?» Et la gardienne regarde derrière elle, vers la zone du poste de police, vérifie que personne n'écoute dans son dos. Ils les ont autorisés à apporter des paquets une fois par mois avec du coton, du dentifrice et du papier toilette parce qu'il n'y aura plus de visite cette année, ni l'année prochaine. Prononce-t-elle en mâchant les lettres, en triturant les voyelles sur sa langue. Si certaines d'entre vous ne sont pas encore habillées, qu'elles le fassent, mesdames, le personnel masculin arrive. Et elle tourne le dos à la grille et passe sa tête dans le poste de garde et crie « Están aquí. Ils sont là ?» Et l'autre gardienne dit « Oui, esperan. Ils attendent. » Et ils entrent. Dos policías, dos pistolas soldadoras. Et ils l'appuient contre les barreaux de la porte. 30 cabezas, 60 brazos. 30 têtes, 60 bras se déplacent à la vitesse des doutes, s'approchent, s'accumulent dans la zone, essayent de demander que soude-t-il, soupçonnant la réponse. Et elle voit les étincelles sauter, toucher le plafond du sous-sol et retomber. Les couleurs se répandent dans cette lumière éphémère et ouverte. Les yeux concentrés, presque en transe, voyant fondre les tons dans l'air toujours plus épais, bien qu'il n'y ait plus de tabac. Une. Elisabeth. Liliana et Berta, du fond du sous-sol, laissent sortir. Ils nous hurlent. La plaque de métal couvre les barreaux, du sol presque jusqu'au plafond, laissant une ouverture de 10 cm. Viens, s'ils ne condamnent pas cette fente, nous allons encore pouvoir épier les gardiennes depuis la couchette du haut. Dit Dora, s'écrasant le front, les oreilles, essayant de ne pas entendre le bruit des machines, de ne pas sentir l'odeur du métal chauffé, de ne pas voir les couleurs du feu dans l'éparpillement. Fulgurance. Estalibos. Activés dans des zones occultes. Inutile de chercher à les trouver dans un ciel bleu. Pas même combinés avec des rouges ou des pourpres de certains crépuscules. Ce nœud serré de l'histoire. Nous sommes la force et l'ingéniosité avec lesquelles nous nous détachons. Nous sommes la soudure et chaque étincelle. Nous sommes le corps de toutes, le grand corps complet, tout le corps. Sans sang, nous sommes, et les os, la peau et la respiration. Et le... Nous sommes ce corps, nous sommes. Et la fin de ce corps. Nous sommes la soupe dans la marmite. Nous sommes la faim et ce que l'on peut et ne peut pas faire pour la rassasier. Nous sommes le hurlement au milieu de la nuit. Nous sommes les deux molaires qui manquent. Et surtout, nous sommes les canines qui sont restées. Le cri de douleur, les caries, les calmants, les chevilles. Nous sommes les chevilles de nos mères qui soutiennent leur corps. Ces vêtements qui nous couvrent, toujours portés. Nous sommes rassasiés. Nous sommes le hurlement au milieu de la nuit. Nous sommes les deux molaires qui manquent. Et surtout, nous sommes les canines qui sont restées. Le cri de douleur. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos son de la vida.